chanteur, moi j'avais croisé Mousse, et je me dis, pourquoi pas un groupe à Brest avec ton pote pareil. Moi je n'avais jamais entendu chanter, mais je dis, mais sympa, trop sympa. Ah, le premier album, c'était chez Sony, ouais. Ouais. Ça a commencé en fin 96, la signature. Ouais. 97, l'album. Et tout a commencé en 95. Quoi. Vraiment, là, il y avait les quatre qui n'ont pas bougé de 95, c'est nous. Quoi. Tout a commencé en 95, on a commencé à démarcher. On avait une maquette avec Donnez-vous la peine, tout ça. Ouais. Texte en français, sur la musique un peu bourrin. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, en fait. C'était à l'époque où tout le monde cherchait le faux foie, venait d'être signé, No One venait d'être signé. Et les maisons de disques se disaient, hey, il nous faut des groupes de rock, nous aussi, quoi. Et là, ça commence à se signer dans tous les sens. On avait comme une petite vingtaine de concerts dans les pattes avec une démo qui, quand même, présageait pas mal de. Sont déjà à l'origine, on devait signer. On devait signer chez Roadrunner. Ouais. En fait, il y avait déjà un buzz sur nous, quand même, tu vois. C'est vrai que c'était l'époque, ça signait pas, tu vois. Puis il n'y avait pas de, encore internet, il n'y avait pas de piratage. Ça valait encore le coup de signer sur des groupes. C'était encore c'était la fin de l'époque où tu pouvais encore signer des groupes par passion, sans te dire ouais, est-ce que ça va marcher ou pas. Quoi. Tu pouvais, les maisons de disques avaient encore le champ libre pour signer des coups de cœur, quoi. Et non pas des choses forcément variées ou commerciales. Quoi, okay. Mais non, c'est plus comme ça. Ça fait plaisir. Il y a un public à la carène. Ce qui nous sauve, c'est qu'on a toujours été un groupe de scène. Donc voilà, que qu'on vende ou pas de disques, on a existé par la scène quand même. J'ai